Nous allons faire une danse, une danse. Le nom de la danse, là, c'est encore quoi? Il est trop mignon. Ah bon? La danse traditionnelle. Ah, bon. La danse traditionnelle, la famille dans la vidéo d'aujourd'hui. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't belong. Walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. God damn, oh baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy. Ne regardez pas ma voix, s'il vous plaît. Ni mes yeux, pardon. De grâce. Donc, nous sommes en train de... Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Parce qu'on va juste faire le plantain avec la viande. Et le plantain est déjà au feu. Et on attend juste que... comment je dis ça? On va partir d'un moment à l'autre. Même mon téléphone, je voulais regarder le... Je vous dis, ne vous dis pas. Pour ceux qui ont vu la présente vidéo, je n'ai même pas introduit. Philippe, on introduit la vidéo si normalement. Hello la famille. J'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, les gars. Ça va aller. Regardez comment il est tout. Hey, il est tout mignon. Ah là 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 là. Nous allons faire une danse, une danse. Le nom de la danse, là, c'est encore quoi? Il est trop mignon. Ah bon? La danse traditionnelle. Oh, la danse traditionnelle, la famille dans la vidéo d'aujourd'hui. Et raison pour laquelle, regardez, nous avons les accessoires qui vont avec. En tout cas, je vais vous épargner les détails. Je ne vous épargne pas pour l'instant. Vous allez voir ça tout à l'heure, en fait. Et comment on dit ça? Ce matin, j'ai voulu un peu toucher à quelque chose. Et voilà, je parle pour regarder mon téléphone pour regarder le. Donc, je me suis déjà arrêté. Je vais juste. Les enfants sont déjà prêts parce que les enfants vont aller faire le tour du deuil de leur papy. À cet effet, donc voilà, d'ici 10 minutes, je serai déjà dans la voiture en train de partir. Donc à cet effet, bon, c'est vrai que je ne vais pas partir que partir, je vais poser juste la tomate derrière la voiture. J'arrive et j'écrase, je reviens déposer avant de foncer une fois, puisque c'est une grande quantité en fait qu'il faut écraser à la machine. Donc on devait d'abord au moment préparer la sauce d'arachide, mais on avait un reste de tomate qui était vraiment important. Et à cet effet donc on a décidé, parce que la sauce tomate est a beaucoup plus de la valeur que la sauce d'arachide. Et voilà, vous verrez qu'il n'y aura pas trop de monde au deuil d'aujourd'hui comme à l'enterrement d'hier ni à la veillée. Donc à cet effet, la famille, je suis en train de mettre le thé, le gingembre. J'ai failli dire le thé au gingembre. Comme j'ai toujours l'habitude à faire le thé au gingembre. Nous aimons beaucoup le thé au gingembre pour plusieurs raisons. Premièrement, le thé au gingembre, ça facilite la digestion. Ça accélère le métabolisme et favorise la perte en plus de poids. Et à tous ceux qui veulent garder la ligne comme moi, c'est très délicieux. Et il n'y a pas que ça. Maman, on va encore mater les condiments, mais on va laisser comme ça. Pour sur le congré. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu ça, j'ai demandé si ça va et si c'est ça. Alors, il n'y a plus. Bon, il n'y a pas le basilic. Je mets le basilic, tout ça. Oui, mais je n'ai pas mis ça. Ok, d'accord. Donc, la famille, en fait, qu'est-ce que je vous disais? Le thé au gingembre est très bon pour les femmes. Il peut souffrir des problèmes de pète blanche, de pète douloureuse, de pète douloureuse. Il n'y a pas que ça. Ça aide aussi pour celles qui peuvent également avoir des difficultés au niveau de leur partie intime.
comme par exemple l'excès de feuilles blanches, démangeaisons et tout ça, c'est un anti-inflammatoire très puissant et un antibiotique à la même occasion, les gens ne connaissent pas. Et ce n'est pas tout, je m'avais lavé les condiments vite fait avant de parler. Eh oui les gars, la tradition. Viens Mathis, viens. Amène bébé Pascal, on l'approche. La famille, voilà. Quand on dit tradition, nous les Africains, nous sommes des traditionnalistes. Il n'y a aucune raison qu'on oublie ce que les anciens ont toujours fait depuis des années. À ce que fait, vous voyez, on a mis le tissu original. C'est à la main. Et vous allez voir, ce que j'ai mis, c'est la tenue du deuil, bien présent. Mon petit, c'est également ça, c'est la tenue du deuil. Avec le macaron de papa devant. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Tellement l'air fade sans papa. La maison n'a pas. Vous vous souvenez, il y a dans plusieurs vidéos, vous l'avez vu avec sa chemise ici, n'est-ce pas? Dans plusieurs de ces vidéos. Donc quand on reprend les anciens habits de papa, on ne lave pas. Venez un peu, je vais vous montrer. Ça, c'est l'un des pains. Papa a attaché ça toujours généralement. Bon, tu m'as vu, ça va. Tu as vu ma carte? La famille, mon papa mettait le pistache sur son plat toujours au cou comme ça. Je vais regarder toutes les vidéos, mais ça au cou. Il est habillé avec ses chemises, je vais vous laisser avec les exercices de ça. Parce que je t'ai appris. Mais avant ça, vous savez que généralement, c'est un peu comme ça que le papa chez nous prend ses anciens habits, tels que c'est on avec son micro après tout ça. Qu'on est en train d'enlever les chapiteaux, les tables, les tentes, les chaises. Bon, quittez ne pas mon père, tout ça, papa. Oui ou non? Gojo, you pad. Ok, ça va être pour moi, papa. Excusez-moi, j'aime beaucoup parler ma langue vernaculaire. Voilà, en fait, nous avons arrangé avec eux. On devait finir le deuil aujourd'hui, avant qu'ils devaient venir enlever toutes les choses, toutes chaises, toutes tentes, chapiteaux. Mais juste, ils ont pu se précipiter, en fait, de le faire. Et c'est vraiment ça. Hein. Le service après. On dit souvent service après-vente, mais c'est ça, on m'a dit que quoi? Suivi du clientèle en fait. Parce que là, ce qu'on a causé avec le boss, c'était pas qu'ils vont enlever. Et voilà, monsieur Christian, donc, qui allait récupérer les chaises. Attendez, je vais aller l'aider à gérer. Les gars, ça fait pour ma belle famille. Ils sont venus avec pour en fait pour mettre des habits traditionnels sur moi, pareillement comme tout le temps en fait. C'est le plantain qu'on traite. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps.
Oh, achète mon père. La tradition. C'est quelque chose de très, très, très important. Les gars, est-ce que vous savez qu'avec le peu de temps que j'ai passé ici au village, beaucoup de jeunes en ville passent leur temps à errer, à monter des sangs. Ils ont l'argent, ça disparaît. Tellement de choses qui arrivent dans leur vie. Oh, oui. Parce que les parents n'ont pas fait ce qu'ils se font. Regardez ce qui est en train de se passer maintenant. Je suis avec mon grand-père. C'est lui qui est en train de m'orienter. Après le deuil, il y a tellement de cérémonies, des choses à faire pour respecter la tradition que les gens ont laissé, que c'est une ligne à suivre. Et aujourd'hui, nous devons les suivre. Hier, j'étais encore enfant. J'étais très jeune. C'est mes parents qui faisaient tout ça pour moi. Ça veut dire que je ne pouvais pas savoir que telle chose est comme ça, telle chose existe. Donc, présentement, nous sommes en train de faire des rites, des cérémonies pour éviter que demain, nos enfants ne soient butés quelque part, ne soient fauchés quelque part. Parce que c'est important d'avoir un père spirituel qui va t'aider dans les démarches des choses traditionnelles, des choses coutumières pour te permettre l'avancement. Vraiment, c'est très, très important, les gars. Parce que je me suis rendu compte qu'en ville, nous allons rencontrer des jeunes qui sont perdus. Ils sont perdus pourquoi? Ils font des choses deux fois, d'autres n'arrivent pas à trouver le mariage. Deux fois, ils gagnent l'argent énormément, mais rien ne reste tout dans ses poches. Deux fois, ils se plaignent que ses enfants sont toujours malades, ils ne comprennent pas. Juste parce qu'il a omis une petite erreur quelque part qui concerne la coutume. Que les gens ont fait, lui, il est venu, personne n'a dit, il faut faire telle chose. Et ils se retrouvent maintenant dos au mur, qu'est-ce qu'il faut faire, il est perdu. Donc quand nous avons cette grâce d'avoir des parents, d'avoir des gens qui nous orientent, pour les choses coutumées, ne blaguons pas les gars. Ne blaguons pas, c'est très important. Vous allez rester avec nous. Nous allons suivre. Cette journée est une journée très très spéciale. Vous allez découvrir beaucoup de choses qui concernent la coutume. C'est très important. On y va les gars. La famille, en fait, voilà ce qui se passe. C'était un peu compliqué de faire à manger par ici. Donc, à cet effet, maman est en train de gérer le garage. C'est pas évident. Quand vous venez avec la nourriture, vous laissez, vous n'êtes pas là. La famille se sert. Donc, à cet effet, j'ai préféré préparer chez moi. Et là, maintenant, il y a une nourriture qui n'est pas encore. On va l'utiliser en fait. J'ai demandé quelque part qu'on m'envoie les chaises. On remplace comme le papa était déjà là. On remplace avec l'autre là, vite fait. D'accord, papa. Donc, ce que je vous disais tantôt, c'est qu'on est en train d'aller amener la nourriture en fait. Donc, on va faire vite, on va prendre la route avec vous. La moins. La famille, en fait, comme vous voyez là. Belle des manières. Donc j'espère que je vais récupérer la nourriture au plus vite.
arriver dans les délais, en fait. Et pour ce matin, comme vous avez remarqué, après avoir déposé la nourriture au feu, en fait, le conduit était déjà prêt, hein, mais je ne pouvais pas me mettre dans la voiture comme c'est, elle est chaude et pas que ça. Aussi, c'est mieux de prendre tout ça à la fois. Le kondré, c'est pour la danse traditionnelle. Et on appelle ça chez nous le lali. Je ne connais pas comment ça se passe chez vous. Et pour ce qui est de l'autre nourriture, comme je vous ai dit, on voulait d'abord faire la sauce d'arachide. Je vous ai dit ça tout à l'heure en début de vidéo. On voulait d'abord faire la sauce d'arachide. À un moment donné, on a vu qu'on avait beaucoup de tomates. Et la sauce d'arachide, c'est ce que tout le monde fait un peu de partout. Et les gens aiment bien manger la sauce tomate. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre. C'est la raison pour laquelle d'autres préfèrent prendre l'autre. On s'est dit, bon, voilà, on fait le riz sauce tomate. Les gens vont beaucoup aimer et ça va avoir beaucoup de valeur. Et vous savez, quand on tue un bœuf pour un deuil, c'est normal qu'on essaye de faire la meilleure des manières. Un château, maman. Pourquoi dormir, bébé? Pourquoi dormir? Hé, maman. Hé, moi, t'es là, non, maman. J'avais apporté les seaux, la famille. Je croyais que je devais arriver avant de charger dans les seaux. Mais Dieu merci. La maman de Kelvin, la maman de Danila a déjà chargé. Ok. Voilà, c'est ce qu'on va faire, maman. Merci beaucoup. Et le contre, si on va porter à maman, on n'a pas le choix, non? On porte avec la maman. Oui, on n'a pas le choix. C'est ce qu'ils vont vous demander. Oui. On parle à la maman, laisse les seaux. Oui, on parle à la maman. On parle à la maman. Bien porté. Voilà le congré. Oh là là, ça donne envie de. Hmm? On porte, vas-y. La bouche. On a pas parlé. Le congré normalement était cuit déjà depuis. Mais il fallait que ça se refroidisse un peu. Parce que comme on a emballé l'intérieur de la voiture avec le nylon, si c'est très chaud, ça va pas être agréable. Marche un peu vite. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when. Oh,
don't decrease, I need the wasapita. A day on to your mother like a caterpillar. Let's say I don't decrease, I need the wasapita. So can't wait, oh, can't wait, oh. Now for you with me, I don't regret. Can't wait, oh, can't wait. Mamie, l'organisation, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Surtout, vous avez vu ce qui s'était passé hier. Il y avait trop de nourriture. Et les gens en ont tellement mangé jusqu'à ce qu'ils étaient. Ils n'en pouvaient plus en fait. Ils faisaient les paquets, les gens rentraient. Les gens venaient dire pardon, on fait mon paquet, je rentre avec et tout et tout et tout. Pour aujourd'hui maintenant, puisqu'il n'y a pas trop de menu aujourd'hui, il y a d'abord une cérémonie qui se fait avant. Et la cérémonie traîne parce que, comment on dit ça? Il faut d'abord nourrir les enfants de la conception avec la même nourriture. Avant d'aller faire la tradition avec la même nourriture, les gens viennent danser, ils mangent encore. Les gens d'ailleurs aussi et tout et tout. Chatham tapa, Chatham shujimpa, Chatham fupa, Chatham shizapa. Bien beau goût de toi, n'a pas chipo, jiti wodja. Go pas sot d'anya, tie up en a. Tie up en y de yigua, abile choma hat of vum. She hat of vum ma, sing gonga, epatamza. Tu si on po apalango gaba pa jiga. Papa, je suis pa la je suis là. Papa, 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 je suis là.
Oh, Nalo. Oh, bo. Oh, bo. Oh, 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 Nalo. 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 Yeah.
C'est comme si elle va passer toute ma vie à pleurer mon père. C'est un truc que même moi. Je me rappelle quand on tournait le clip ici là. C'était juste assise là, ma grand-mère c'était assise là. Mon mari m'a donné lui, a mis lui comme ça, il a léché. Et après mon papa était là, ici là, en train de faire du feu. Il était en train de faire du feu là. Quand je me trouve en train de faire le feu au même endroit, je me rends compte que je vais pleurer mon père toute ma vie parce que des moments je me dis que je vais, ça va surmonter, ça va passer, mais à chaque fois... Ça me fait couler même des larmes de joie, ça me met à l'extase. C'est une grâce. J'insiste de dire que là où je me trouve plus que le père de Eto, plus que le père de Messi, plus que le père de Mbappé. J'ai dit merci au Seigneur puisque c'est pas tout le monde qui peut vivre cette grâce à mon âge ici, à mes 60 ans. C'est magique. J'ai dit merci au Seigneur. Sa famille. Aimez vos parents vivants. Aimez les vivants. Ils s'en iront. Vous allez les aimer, mais ils ne seront plus là. Ils vont rester dans vos cœurs, mais ils ne seront plus là. La douleur va rester. Je n'arrive pas à surmonter cela. Je n'arrive pas, c'est trop dur. On vient de finir les deux, on vient de finir tout. Et là, du coup, il suffit que je rentre faire un feu. C'est pas mon père avec la boue que mon père faisait le feu. Il était tellement attentionné. Il était tellement présent dans tout ce que je faisais. Il était tellement disponible. Il était tellement amour. Il était tellement. Oh mon papa, il va me manquer. Il va me manquer, mon père, il va me manquer. Il va me manquer, papa. Il va me manquer tellement. C'est bizarre. Je sais de mon père. Je sais de mon père. Il a porté les chaussettes ici pour cultiver le maïs que vous voyez en face de moi là. Le maïs ici. Il ne sera plus jamais là. Peut-être qu'il sera là présent. Peut-être qu'il est là présent. Peut-être en train de me voir. Papa, je ne pleure pas parce que je suis désespéré. Je sais que tu n'aimes pas me voir. Papa, je pleure juste parce que je t'aime beaucoup, papa. Et que tu resteras toujours dans mon cœur. C'est là que je vais. Que j'essaie de ne pas verser, mais je n'arrive pas à retenir. C'est juste parce que peut-être Sheila et c'est ta présence qui me fait faire cette réaction. Peut-être c'est tellement que ton âme se repose en paix. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck you.
où on a posé mon père avant de partir. J'ai vraiment consacré tout mon temps et toute mon énergie pour cette nourriture. Parce que moi, ça fait un peu comme si. Comment dire ça? Mon père aimait beaucoup quand on partageait. C'est parce que tu dis, papa, tu nous as transmis beaucoup. On va rester, on va mettre tout ça en pratique. Dans la famille, je continue parce que les gens attendent. Pas seulement me faire la famille, regardez vous-même. Vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire ici, on monte à gauche, on monte à droite, tout tourne autour de la boisson, ce qu'on doit boire et ce qu'on va manger. Sans ça, on dirait que le deuil n'a pas été. Donc ça continue comme tout le temps. Regardez, j'ai passé presque depuis le matin, tellement monté à gauche, monté à droite, je n'ai pas pu manger. Ce n'est que maintenant que j'ai pu trouver un petit temps pour me mettre un truc sur la dent. C'est ça, la cérémonie, les gars. Oui, les gars, je veux que nous soyons ensemble de découvrir quelque chose. Oui, mon très cher. Et cet avis-ci, c'est quoi, pas tout ça? Ça, c'est un traditionnel très beau. Tant qu'à l'époque, on chantait, tant que les gens, à l'époque, à l'âge de 60 ans, tant que l'allée, c'est de tradition bamléké. Bon, tant qu'on chante, on fait comme ça de l'allée. Tant qu'on prend le tradition comme ça là, tant que les gens sont sous ça, tant que même qu'on soit sous ça. Pourquoi c'est sale comme ça? Pourquoi c'est l'habit de l'allée, c'est toujours ça comme ça là. L'habit de tradition, c'est toujours comme ça là. Tant que l'habit est pour. C'est la meilleure de ça. Voilà. Il dit c'est la valeur. C'est la valeur, c'est ça. La vie, c'est naturel. Ouais. Ça se déchire à tous les niveaux, on va pour supporter. Donc, ça ne lave pas. Oui, non, ça veut dire qu'on ne lave pas cette. On ne lave pas ça, on ne peut pas déchirer. C'est ça qu'ils ont fait l'époque. Au dernier endroit. À l'aide de peut-être 100 ans. C'est la vie qui a déchiré, c'est la qui va sortir. Ça, comme ça. Et s'il arrive qu'on lave alors, ça va être ça. C'est le ndo. Le ndo. Dans notre sens, ça veut dire que c'est la malédiction. Et votre chapeau. Le chapeau, c'est pas le chapeau. Le chapeau, c'est comme ça. C'est l'âge qui pèse. C'est, tant que l'âge pèse, on ne peut pas fonctionner l'âge. On ne peut pas dialoguer tout un âge. Tant que l'union fait la force, il y a toute une jeunesse, il y a tout un. Et vous êtes heureux quand vous entendez les choses comme ça. Parce que je pensais que vous êtes heureux. Vous êtes heureux dans cette danse. On est heureux jusqu'au sein par tant qu'on apprend la jeunesse. La jeunesse chante et danse. Tant que c'est la jeunesse qui doit chanter. Et les gars, il y a une danse chez nous qu'on appelle la danse de l'Ali. Présentement, ils sont en train de vous engager comme vous voyez là. Et c'était un de leurs membres. J'ai pu juste un peu essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il nous a montré la tenue, que la tenue ne se lave pas. Il faut que ça soit bien. Et c'est ça qui garde la valeur ancestrale. Son chapeau, c'est pareil. C'est toujours ça. Donc nous sommes ensemble, on a envie de découvrir comment fonctionne ce système-là. Il y a tellement de choses au-delà, il y a tellement de choses dans la tradition partout. Que nous sommes encore ignorants et c'est très important de chercher à comprendre les normes. Donc merci mon très cher, allez faire votre danse. Merci. Thank you.
C'est passé le soleil à frapper. La famille, nous sommes en train de faire les causeries secrètes. Ça, c'est une de mes mamans. Comment je vais dire ça? Je ne sais pas si elle va l'appeler grand-mère. Maman, pourtant, tu avais fait le régime. Quand je partais du Cameroun, c'était un peu grave. Maintenant, là, tu as rajeuni parce que. En tout cas, ça, c'est ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère paternelle. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. Ok, voilà. Donc, voilà. Là maintenant, on est en train de. La famille, on était en train de causer. Là maintenant, en fait, je voulais vous la présenter à la caméra. Venez comme ça, vous voyez le visage de ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle, la plus grande. Donc, elle est en train de me transmettre certaines valeurs très, très importantes. Comment ça se passe avec la femme et tout et tout. Là maintenant, je vais vous amener dehors. On est en train de raser les cheveux de ma mère. Tandis que je suis en train de causer avec elle à l'intérieur. Parce que comme. Et les veuves rasent toujours la tête, n'est-ce pas, maman? Oui, ça arrive. Oui. Avant que ça se repousse. Après un an. Ok. Donc, ça, le temps change. Même toi, tu devais raser. Ok, d'accord. Les enfants aussi. Les enfants aussi rasent. Ok. Quand vous perdez votre mari, vous rasez tout votre crâne. Walking down the road again. The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. God damn, oh baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time.